Vous êtes propriétaire d'un bien immobilier et souhaitez le mettre en location? Il est situé sur l'une des 13 communes de l'agglo de Lens-Liévin intégrées au dispositif? Depuis le 1er janvier 2020, vous avez l'obligation d'obtenir une autorisation préalable de mise en location ou, si vous préférez, un permis de louer. Objectif de ce permis de louer, la lutte contre les logements insalubres et l'amélioration de la qualité de vie des habitants. Comment obtenir cette autorisation préalable de mise en location? Soit par courrier, en envoyant votre dossier à la commune du bien concerné. Soit sur Internet, en vous rendant sur le site permisdelouer.aglo-lensliévin.fr. Remplissez le formulaire, puis déposez les documents nécessaires pour l'obtention de l'autorisation. Attention, un dossier incomplet ne pourra pas être accepté. Le propriétaire dispose d'un mois pour fournir les éléments. Une fois le dossier complet, un opérateur mandaté par la communauté d'agglomération de Lens-Liévin visitera le logement. Il procédera à une évaluation technique du bien. Suite à la visite, une décision d'autorisation ou de refus de location sera prise. Dans le cas où la location est autorisée, un locataire pourra occuper les lieux. Dans le cas où la location est refusée, des travaux seront nécessaires afin d'obtenir le permis de louer. Si le propriétaire n'effectue pas ces travaux, le logement ne pourra pas être mis en location. Attention, si un logement est loué sans obtention du permis de louer, le propriétaire est passible d'une amende de 5 000 euros. Vous trouverez toutes les informations sur permisdelouer.aglo-lensliévin.fr.